Bonsoir à tous. Je me présente, professeur Larsen, spécialiste de jazz. Aujourd'hui, nous allons parler du jazz des Bermudes. Mais qu'est-ce donc ? Les origines du jazz des Bermudes se trouvent évidemment dans les Caraïbes. Mais où se situe vraiment la Jamaïque ? Excusez-moi, je vous en prie, là-bas. La Jamaïque se trouve ici. Je suis un peu ému, c'est vrai que ça, c'est une photo que j'ai faite avec le prince, le pape du roots de la musique jamaïcaine, M. Bob Marley. D'ailleurs, j'ai encore les larmes aux yeux, si vous voulez. Une des influences du ska, la New Orleans, avec des bandes magnifiques, des musiciens exemplaires. Alors, je vous ai fait un petit triangle, c'est-à-dire pour vous situer un peu où se trouve Kingston, la New Orleans, en français, la Nouvelle-Orléans, et Londres, en Angleterre, où beaucoup de Jamaïcains se sont expatriés avec leur culture et leur musique. Ah, c'est moi, oui, il fallait que j'en place une. Moi, en Angleterre, en 89, dans ma période punk, c'était beau, n'est-ce pas ? Les Doc Martens, j'ai porté ça pendant des années, des mois et des mois, jamais froid aux pieds, chaud au cœur. Des petites bretelles aussi que j'ai portées, mais bon, comme j'aime un peu le dos, moi, je n'ai pas porté souvent les bretelles. Ah, comment danser le ska ? Différentes positions, n'est-ce pas ? Vous pouvez le voir sur la carte aussi, hein, baba, biba, bibob, etc. Vous pouvez venir dans les soirées ska à plusieurs potes, voir avec beaucoup d'amis. Putain, la machine. Ne bougez pas, je vais vous faire écouter.